fleurs, il y en a une qui est en relief et l'autre qui est en creux. Hein, c'est, ah oui, ça ne se remarque pas. Oui. 721. Alors, vous voyez quel métier ça fait. La raclette, là, à gauche. Et puis, et j'ai pour tailler le cuir, donc c'était cordonnier ou bourrelier qui faisait les selles des chevaux aussi. C'est un bourrelier. Un bourrelier, oui. Parce qu'il y a les outils. Les outils. Oui. Il y a le tranchoir. Oui, c'est ça. Il y a le tranchoir. Oui. Et comment, les filoirs. Et vous avez l'aiguille. C'est ça, oui. C'est ça. 1621. Oui. Mais c'est d'origine, ça. Ah oui, bien sûr. Oui. Ben, c'était peut-être un centre de cheminée, là. Ou peut-être autre chose. Ou simplement, oui, effectivement, l'indication du métier de l'homme qui habitait ici. Comme en Égypte, hein, les métiers étaient représentés par l'outil. Il y en a d'autres comme ça dans le village. Ah oui, il y en a beaucoup. Oui, c'était le calendrier révolutionnaire qui a mis deux années dans une et qui a commencé. Il commençait le 22 septembre 1792. 12. Alors nous, on a l'an, vient de voir l'an 6, et puis là, on a l'an 7, toujours avec 1798. D'accord. Alors celui-là, ben, il a été fait dans la dernière. Le dernier trimestre de 1700. Le village daterait de cette époque. Le village, les plus anciennes constructions, elles datent du 17e. C'est cette époque-là. Parce qu'il y avait. Enfin, tout sort de la terre ici. Hein. Ah, bah oui. Alors, la première chose, il fallait. L'extraction de la pierre, on n'a pas vu de carrière. Il fallait. Vous pouvez les c'est voir plus loin. En montant sur Frontenac. Ah, oui. Alors, ce qu'il fallait en premier, c'était le sable, et le sable, on avait des morguères. Pourquoi ? Parce qu'il y a le terrain cristallin qui a été érodé, donc il y a du grès qui s'est formé, et le grès se forme à partir du sable, et ensuite, à partir du grès, on peut récupérer le sable. Et ensuite, par-dessus, la mer est montée et a déposé du calcaire. Si bien qu'ici, il y a des trous, enfin des cavernes creusées de main d'homme pour aller chercher le grès sous la voûte calcaire. Donc il y a des stalactites, il y a des perles des cavernes et on peut visiter ça. Comment vous avez appelé les carrières ? Les morières, Mordière. Guerre avec un G. Mordière. Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a eu un accident qui s'est produit justement du temps de Louis XIV dans une morgière. Ça s'est effondré. Ça s'est effondré, l'homme est mort. Alors bien sûr, le curé de l'époque rapporte l'incident. Et c'était quelqu'un qui allait chercher de la mourgue ou sable. D'accord. Donc du temps de Louis XIV, le sable disait mourgue. Donc on retrouve l'origine du nom et puis l'ancienneté. Bien sûr, les Romains devaient aussi chercher du sable dans le grès à l'époque. Mais ici, on a même une date assez élevée. C'est quand même un naturel schisteux ici. Toute façon, il y a premier, croûte, c'est le granit, etc. Où le schiste, c'est métamorphique. Hein. Et puis par-dessus, on a le grès, puis ensuite le calcaire. Donc alors la belle pierre dorée aussi. Là, il y a une belle carrière. Et ce qui donne, c'est... Mais dans le temps, on avait des hivers qui éclataient les roches, puisqu'elles sont cliviables. Ils disent ça. Hein, ouais. On a des plates. Hein. Oui, mais regardez sur l'église, elle est encore là. Ouais. Et l'église, elle date du 15e. Et le château, les premières tours du château, c'est 1320. Très bien. Merci. Ce qui donne cette couleur ocre. C'est des oxydes de fer. C'est le fer. Oui, des oxydes de fer. Et puis il y a des morceaux de coquille, alors qui peuvent briller au soleil. C'est ce qui fait le charme de ces pierres dorées. Un peu de mica dedans. Non, c'est pas du mica, c'est je sais pas si vous savez, le lys de mer. Hein. C'est toute une série de des crampons qui tiennent au fond de l'eau, puis toute une série de piles de petites étoiles comme et ensuite il y a un calice avec des bras qui sont toujours en calcaire, et c'est des éclats de ces, on appelle ça les crinoïdes, lorsque c'est des fossiles, on trouve ça, et puis il y a des tas d'autres choses, il y a des piquants d'oursins, il y a des morceaux de coquillages, etc. C'est la seule chose qui a subsisté puis qui donne ce caractère en plus de la couleur. On trouve beaucoup de fossiles aussi. On peut trouver, mais pas tellement dans... De mon côté, là-bas,
Saint-Jean-des-Vignes. Saint-Jean-des-Vignes. À côté de la carrière de Lausanne. Ah oui. Il y a beaucoup d'ammonites. Oui, oui, bien sûr. Et des fuseaux. Peut-être, c'est dans du terrain rouge. Hein. C'est le tor. C'est du calcaire lithique, mais coloré en rouge, très rouge. C'est là où, lorsque vous dites qu'il y a des roches de Bélébout et des ammonites, il n'y a vraiment que dans cette partie-là qu'on les trouve beaucoup, facilement. Hein. Mais bien sûr, il y en a aussi des belles ammonites là, dans la pierre de Roche. Enfin, on ne s'imagine pas que c'est un bouleversement. On ne peut pas dire que la mer était là. Elle était remontée. Elle était là et puis elle s'en est allée. Quand on a été remonté par les Alpes. Lors de la formation du Jura et des Alpes. Absolument. L'an 7, oui, parce que l'an 1, c'est 1792. Et puis là, on voit que c'est dans la dernière partie de 1798, les trois derniers trimestres, que ça a été créé. Et puis il y a cette entrelac à huit branches là, qui est intéressant. Ouais. Et puis l'étoile, regardez l'étoile, elle pointe en bas. Pointe en bas. Mais c'est pas une étoile satanique. Parce que sur pratiquement 100 ans, des tailleurs de pierre très différents ont représenté les étoiles comme ça, sur les cheminées, hein, sur le manteau, enfin sur la partie transversale, le linteau des cheminées de bagnole. Et puis c'est formidable ça, c'est formidable. Mais alors, quand il y avait encore les anciens vitraux à l'église, on voyait un peu la signification, parce que dans le haut du vitrage, c'est gothique, hein, c'est découpé là, les arcatures. Hein. Dans le haut du vitrail, il y avait l'étoile divine, donc la pointe en haut, et puis tout de suite, en dessous, dans une autre partie, l'étoile, l'image dans un miroir. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et puis, ça veut dire que Bagnole, c'est un petit morceau du paradis. Ah, c'était vraiment l'image dans un miroir. Et certainement que sur les cheminées, c'était la même chose. Hein. Les hommes, ils étaient attachés à leur terre. Puis, ils savaient peut-être qu'il y avait quelque chose qui les attendait derrière. Mais ça... Dieu seul le sait. Ah oui, il y a des énigmes comme ça dans la vie. Il y a plein d'énigmes. Ouais. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est dimanche, alors c'est dommage parce que la poste est fermée. Mais si vous revenez ici un jour de semaine, vous rentrez dans la poste et vous avez la cheminée de Étienne Caran avec les outils du maréchal Ferrand et puis des symboles aussi qui viennent de la nuit des temps, L'esquelle, ça ressemble à une cornue, vous voyez. Ah. Une pointe et puis une partie élargie derrière. Et on le trouve dans le triskel breton, où il y en a trois comme ça. Oui. Ça tourne. Et puis un motif celtique encore, mais plus ancien, puisqu'on peut le trouver sur des menhirs. Hein. Eh bien, c'est la svastika, mais la svastika, il y en a partout, hein, même en Inde, là. Donc ça, c'était les roues du char solaire. Alors, la svastika, elle tourne... Alors, si elle tourne sur la gauche, c'est les Allemands. C'est la croix gammée. Et puis, si elle tourne sur la droite, c'est la croix gammée. Et chez nous, en général, elle tournait toujours sur la gauche. C'était la bonne svastika. Et puis, j'en ai trouvé, donc, ici, en visitant, pas très loin d'ici, sur une cheminée du 18e. Dans un rez-de-chaussée qui était du 17e, parce qu'il est voûté aussi avec des voûtes d'arête, comme ça. Toutes les maisons du 17e sont voûtées en voûtes d'arête, et ici, il y en a... Écoute, ici, oui, il y avait les gens qui travaillaient la vigne. Hein. Les affaneurs, c'est ceux qui travaillaient justement la vigne, mais pour rien du tout, hein, qui gagnaient pas leur vie. Il y avait les tailleurs de pierre, il y avait les tuiliers, les potiers... Et tout ça depuis le XVIIe siècle. Ils étaient au moins... C'est un pour 25 habitants, hein, dans toutes ces différentes catégories de travail.